Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est mercredi le 24 mars, excusez. Quand ça vient de partir, c'est ça, j'ai pris ma douche. J'ai commencé mon matin à prendre ma douche. Puis là, après ça, je sors de la douche pour retrouver Katia et Lucky dans le lit. Je trouve ça trop mignon. Aujourd'hui, c'est chaud, mais il n'y a pas de soleil. Mais on est quand même bien. J'ai mis mon gilet, finalement, je vais le garder. Je vais essayer de le mettre dans ces choses. Peut-être parce que je le trouve un peu grand, là, mais je sais que dans ces choses, on va être bien foulé. Fait que, on va le garder. Fait que, j'ai mis ça aujourd'hui avec des jeans. Hier soir, finalement, on s'est fait un feu sur la terrasse. Plein est venu nous rejoindre. On a jasé. On a pris une coupe de vin aussi. Fait que, j'ai bien dormi. Là, j'ai remarqué que le soir, mettons, si je fais du spa ou on fait un feu, puis je prends une petite coupe de vin, ben, on dirait qu'après, ça m'aide à bien dormir. Fait que, j'ai quand même dormi pas pire. Je suis contente. Lucas a eu de la misère à se lever ce matin, mais il a mis son beau gilet. Il est vraiment beau lui aussi, mais là, j'ai pas passé vous le filmer. Vous allez sûrement le voir tantôt, quand il va revenir de l'école. Fait que, je vous souhaite une belle journée, je vous tiens au courant. Vous allez me suivre dans cette journée. Bye! Regardez ma chérie comme elle est belle. Là, j'ai mis une petite boucle dans les cheveux. J'ai tout ramassé aujourd'hui. Mais elle veut toujours me donner la main, hein. C'est drôle. Autant quand elle était petite, elle voulait pas qu'on lui prenne la main, puis là, ça, c'est elle vient nous chercher le contact. Ouais. Fille à maman. Oui, tu vas aller à l'école, là, dans pas long. Oui, oui, oui. Quand tu vas aller à l'école, il faut en mettre un gilet. Oui, oui, oui. On met ton beau gilet rose. Hein, là, qui vient voir. Hey. Belle fille. Oui, t'es belle. On attend le transport à Katou. Oh, oui, petite fille. J'ai mis son gilet chaud, là. On va bien avec ça aujourd'hui. Hein? Pis pas de potes aujourd'hui. On garde les souliers. Ouais. Hein, Kato? Ça en vient ton transport, ma belle-fille. Ouais. Ça en vient. Hein? Ouais. Sois pas long, ma belle puce. Il arrive, Katou, il est arrivé. What's up? On y va. Bon, il est 10h, puis je viens juste d'avoir l'appel de M. Claude Racine. Finalement, il confirme qu'ils vont venir vendredi matin à 9h30. Comme ça, ils vont pouvoir rencontrer mon chum, puis ils vont pouvoir voir Katia, parce qu'ils n'ont pas d'école. Fait que ça va être pas pire, que moi, je vais pas mettre un visage sur les bonnes personnes, les bons samaritains. Fait qu'ils disent qu'ils vont venir faire un repérage du coin, tout ça, là. Fait que c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, je dois vous avouer, par exemple, que ça me rend tout le temps mal, je me sens mal, parce que quand que le monde qui va nous aider, qui vient pour venir chez nous, puis ils voient quand même, on a une grosse maison quand même, là, ben ça me rend mal, tu sais, on leur dit, je t'en parle que mon juge, puis ah, pourquoi ils ont besoin d'aide, tout ça. C'est ça. Ça, je me sens tout le temps mal. Mais tu sais, pour mettre en contexte, c'est que la maison, on l'avait, mon chum qui l'a bâti au complet, normalement, premièrement, avec, tu sais, avec l'aide de la famille, ses parents et son frère en particulier, mais... c'est pour ça qu'on a pu avoir cette maison-là, dans le fond, c'est revenu moins cher parce que mon chum la bâtissait. Puis ensuite, c'est qu'après, j'avais la garderie, puis au début, on n'avait pas cassé qu'on a bâti la maison. Après, ben j'avais la garderie, puis on avait fait une rallonge. Mais à ce moment-là, quand ça était petite, on ne savait pas encore que tout ce que ça amènerait. T'sais, on ne savait même pas qu'elle serait différente encore. C'est sûr qu'elle avait fait des conditions de naissance, mais il y avait retrouvé, puis pour eux autres, c'est un bébé normal. Fait que, en tout cas, pour mettre en contexte, c'est que... T'sais que oui, on a une grosse maison, mais à ce moment-là, on savait pas tous les problèmes qui s'en venaient. Puis après, ben, on a rénové pour Katia. Ça, c'est l'aide qu'on a eu aussi. On a eu l'aide pour pouvoir l'adapter. C'est pour ça qu'elle est encore plus grosse. Mais je me sens mal, pareil. Mais en même temps, je me dis, garde, les problèmes, on les avait pas tant qu'on avait la maison, là. En tout cas, le reste, je me sens mal, pareil. Je sais pas si vous comprenez, là. C'est quand même qui porte des jugements. Peut porter des jugements faciles, là. Fait que c'est ça. Sauf que le monde, dans le fond, le monde, là, faut qu'ils comprennent que les problèmes, on n'a pas nécessairement les problèmes au début qu'on avait à la maison, là. Tu sais, les problèmes peuvent arriver plus tard, tu sais, faut pas juger sur l'apparence. En tout cas, c'est ça que je veux dire.
Fait que, ben c'est ça. Fait que, c'est ça que j'ai regardé la température. Mais ils ont annoncé 100% de pluie vendredi. Ça va être pas. J'en espérais qu'il mouille pas le matin, qu'il mouille plus tard, mais 100% de pluie. En tout cas. Fait que, je vous retiens au courant. Bon, il est maintenant midi et demi. Ce matin, c'est vrai de me chercher parce que je l'allais aujourd'hui. J'allais chercher un cadeau de fête à Pam que j'avais vu passer sur le compte Instagram de Nicia. C'est une honnête exfoliant pour les cheveux. Fait que là, je dis à ça, tu viens me chercher pour qu'on puisse aller au Jean Coutu? Elle dit oui, je vais y aller. Fait que là, elle me cherchait, puis on était au Jean Coutu, mais on n'a pas trouvé l'exfoliant. J'ai même demandé aux employés, puis ils l'ont pas. Fait que j'ai pas, je pourrais trouver ça. Ce que je trouve, ça ferait du bien pour le cuir chevelu à Pam. Dans le fond, c'est comme un gommage pour le cuir chevelu. Puis, c'est la marque de notre génois. En tout cas, je vais essayer ça. Puis là, j'en ai profité pour retourner voir s'ils avaient reçu les brillants, les ouatiers. Puis, ils avaient reçu. Fait que je me suis fait un cadeau de fête. J'avais eu de l'argent par ma belle-mère, mes beaux-parents. Puis, j'ai dit ça, je vais le mettre là-dessus. Fait que j'allais acheter mon brillant à lèvres, les ouatiers. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais l'année passée, je n'avais déjà acheté un. C'est carré maman, il avait parlé. Je trouvais qu'il avait des belles lèvres luisantes. Je trouvais ça beau. Puis, j'avais demandé. Puis, elle avait parlé et qu'elle avait prenait les ouatiers. Puis, quand elle avait dit, je l'avais été là en chercher un. Il était comme un petit mauve pâle, la couleur. Puis, je l'avais fou la main. J'avais passé au travers que j'avais de la peine quand que. Il était fini. Tu sais, ça, c'est pas tout le temps disponible. Ça vient par période. Tu sais, comment je pense que ça faisait. En tout cas, moi, j'étais pas au courant, mais ça faisait pour moi plus qu'un an qu'il n'avait pas sorti. En tout cas, c'est framboise, c'est bon framboise, ça sera vraiment bon. Mais là, je vais l'essayer, je l'ai pas encore essayé. Puis j'avais déjà mon projet à lèvres tantôt. Puis je vais l'essayer, je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça donne? Fait que ça, c'était avant. Je vais l'essayer, je vais vous montrer après. Fait que là, vous voyez, j'en ai mis, ça fait juste comme un petit mini teint, puis c'est luisant. C'est comme. Ça, c'est l'usage, c'est le fun. Puis, ça a une belle senteur, là, vraiment. Fait que, c'est ça que ça donne. Dans le fond, ça dit que sa formule soyeuse et non collante procure confort et hydratation dès la première application, enrichie de vitamine E sans parabène. Fait que c'est ça, il était 24 pièces. Ensuite, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai tout à voir s'il y a des bijoux à la vie au Jean Coutu. J'aime ça. Moi, j'aime ça, les bijoux. Mais j'aime ça trouver des bijoux pas chers. Puis là, il y avait ça, c'était 3 pièces. Ça valait 9 pièces normalement. Je sais pas si vous voyez. Hein? Ah. En tout cas, fait que là, je l'ai acheté, je vais racheter au cadeau à Pam avec son linge. Puis ça, j'ai acheté ça pour qu'elle tienne une petite bague. Je trouve qu'elle est délicate. Peut-être 3 pièces aussi. Mais je sais pas si ça va y faire. Moi, elle me fait, là, mais ça, je pense qu'on va un peu accrocher, par exemple. En tout cas, puis je me dis, ça à part à 3 pièces, c'est pas bien grave. Ça devait valoir, elle valait quand même 13 pièces. Fait que c'est ça, mes petites trouvailles. C'est ça, on a mangé du tofu ce midi. C'était vraiment bon. Ça faisait longtemps que j'avais le goût d'en manger. Fait que là, on a mangé ça ce midi. Mais mon chat va manger le raisin à lasagne. Parce que lui, il aime pas le tofu. Puis à ce soir, je pense que ce sera pas compliqué. Ça va être des hot dogs. On va faire des hot dogs. Mon chat me trouvait bien. Quand il est arrivé à dîner, il dit, c'est donc bien bien. Je lui dis, ça doit être mon nouveau gilet. Fait que. C'est ça. Fait que. Ça, Pam est partie au magasin. Elle est partie pour chercher mon cadeau de fête. Parce que je voulais y aller. Moi, j'avais voulu aller au magasin aussi. J'avais affaire au dolo. Tout ça, mais elle dit, ah, c'est parce que je vais acheter ton cadeau. Ça, c'est plate pareil. C'est sa femme, mais il faut qu'elle pense à moi aussi. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. Ah, c'est ça, je voulais vous montrer. Je suis en train d'oublier. C'est quoi, j'ai essayé la bague. Elle est belle, hein, quand même, pour 3 pièces. C'est sûr qu'elle est délicate dans le doigt. J'ai hâte d'essayer à Katia, mais pour... c'est pour Katia que je l'ai acheté, là. C'est pas juste, ça va pas trop accrochant pour elle, là, mais. Parce que, tu sais, vous vous rappelez, j'aime beaucoup elle, mais là, elle est brisée. Voyons. Tu sais, j'aime beaucoup elle, mais là, elle est brisée. J'aimais beaucoup mettre elle à Katia. Mais là, elle est brisée. Fait que c'est plate. Fait que moi. Fait que moi, je la mets pareil. C'est pas grave. Elle est souvent tout le temps tournée, puis jamais avec cette bague-là, là. Mais c'est la bague que mes soeurs m'avaient donnée à ma fête l'année passée, ma soeur Marie, c'est la sainte. Ça fait un âge, je l'ai. Là, pour vrai, faudrait que je m'entraîne. Faudrait que je me conditionne à m'entraîner, mais c'est parce que je suis raquée depuis mon dernier entraînement. Puis, dans le fond, je l'ai faite lundi. Hier, lundi, j'étais pas raquée, mais hier, j'étais raquée. Mais aujourd'hui, je le suis encore quasiment autant. Je comprends pas. Mais c'est sûr, je préfère un autre qui ne fait pas de squat, dans le fond. Là. Fait que, faudrait que je ferais ça, là. Aussi, faudrait que je me conditionne à faire ça. Fait que, je vous retiens au courant.
Bon, fait que là, je me suis changée pour faire mon entraînement. Puis j'essaie un nouveau aujourd'hui, que j'ai jamais fait. Ça se passe à être correct, c'est juste 10 minutes. Fait que je vais essayer ça, je vais le montrer. C'est lui ici, 10 minutes. Best of it training, non équipement, 10 minutes de Pamela Reif. Ok, je pars ça. On va essayer de faire ça. Allez, go! Bon, yeah, fini. Ça me le disait vraiment pas, j'étais raquée. Puis je l'ai fait. J'ai fait un entraînement qui était moins long, 10 minutes. Mais c'est ça, c'est le premier. C'est la première fois que je faisais celle-là. Fait que des fois, je savais pas tout exactement, mais en gros, je suis contente d'avoir fait. J'avais pas de l'eau. Puis je vais commencer à faire du ménage en frigidaire parce qu'il y a plein d'affaires croûtées, là. C'est dégueu, il faut aller frotter ça un peu. Je le fais pas au complet, mais juste la peau parce que je vois que c'est sale, là. Fait que un bon verre d'eau. Non, il est juste 12h15, même pas. Fait que je pars ménage de mon frigidaire en écoutant un vlog de En mode maman. Bon, Lucas est revenu. Lucas aussi, mais Lucas, je vais partir au parc. C'est à peine je l'ai vu. Mais gardez la bague à effet, mais dans ce doigt-là. Regarde, si c'est un peu, quand je vais montrer ta bague. Regardez si c'est beau! Oh! Watata! Oh! T'as-tu une belle journée? Hein? On va aller voir si t'as une belle journée. Hein? Hein, Lucky, ça s'appelle j'en ai voir Katia. Toujours! Ouais, non! Non, ça par exemple, non. On joue pas, on mange pas les coussins à Katia. Non, Lucky! Lucky, c'est non! Change tes idées. T'es belle! Oh! T'es plein de tresses! Oh! T'es belle! T'es belle! Toujours! Quand t'es sortie du bain! Regardez, c'est belle! Hein? Lise a continué à faire. Elle a tout tressé! Oui! Tout tressé, la petite fille! Hein? T'es belle, Cato! Oui! Puis elle a mangé. Elle a mangé un peu, c'est quand même le fun. Puis elle a fait un caca juste avant son bain, mais ça sentait pas bon, là, c'était pas d'allure. Là, les a dit, on va mettre une bombe de bain dans le bain. Fait que ça, la senteur a changé par chance, parce que les bombes de bain, ça sent tellement bon. Fait que ça sort bien écrit. Elle a mangé un peu, mais là, son médicament, elle a pas tout bu, elle a pas tout pris son médicament. Dans son gobelet, là, il en restait. Je vais essayer de repasser plus tard. Ouais. Puis là, je vais aller au domaine. Parce que j'ai vu ça passer sur Facebook, un bricolage, faire une couronne de Pâques. Ben, une couronne de printemps plus. Puis c'est tellement beau, mais d'après moi, ça doit montrer. Fait que là, je sais plus si je dois aller acheter ce qu'il faut, que ça risque vraiment montrer, puis que peut-être je ne réussirais pas aussi bien qu'eux autres. Mais ça a l'air facile d'avoir la vidéo, ça a l'air facile à faire. Mais j'aimerais vraiment ça l'essayer. Sinon, ça serait beau, ma peau. Hein, Cato, ça serait beau, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Regardez, c'est ça qui reste de son gobelet, son médicament. Dans le fond, moi, je le mets jusqu'au. J'ai passé le nubi, là. Puis là, ben, il dirait ça pareil. Puis c'est ça qu'elle n'a pas eu toute sa dose, là. Je sais pas si ça n'a vraiment pas été compliqué. Finalement, j'ai fait de la pizza congelée. Puis j'ai fait une trempette. Fait que c'est le frère qui est fan, c'est pas compliqué.
Il regarde dehors, il voit des enfants dehors. Bon, ben, je vais vous dire bonne nuit. La journée se termine. Il est 10h15, je suis prête à me coucher. On est allé au Dollarama après souper, finalement. Puis, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait, la genre d'anneau pour faire la couronne. Ça coûtait 2$. Mais là, c'est les bouquets de tulipes. C'était 3$ par bouquet de tulipes. Je pensais que c'était à peu près 1$, tu sais. Puis là, en plus, c'était pas comme sur l'image. C'était toutes des tubes de la même couleur. Les autres, les bouquets. Puis, eux autres, le bricolage, la couronne, c'était comme un dégradé de tulipes. Tu sais, le bouquet, c'était un dégradé de tulipes, de couleur. Ouais, là, j'ai dit, non, ça montrait bien trop, là. Maintenant, je suis venue l'acheter, fait rendu là. Fait que j'ai tout laissé ça, là. J'ai acheté les sacs cadeaux pour Pâques, du ruban. J'ai acheté du ruban, là, après le cadeau de fête à Pam. J'ai acheté une petite surprise à Katia, mettre dans son sac de pâques. Après, je vous remonte ça. Moi, j'ai pas pensé tantôt vous montrer. En tout cas, c'est comme un petit gâteau, là. Puis là, ça le prend, puis ça fait ça fait comme une petite cloche qui sonne. C'est vraiment cute, là. Puis, ensuite, on a couché bébé, fait les lunchs, puis après ça, on est allé marcher avec Lucky. Puis la voisine, une voisine dans la rue, marchait, elle était dans la rue avec son chien. Puis finalement, ben, elle ça ne stressait pas en tout que Lucky soit hijab, puis que finalement, elle réussit à l'approcher, puis elle a fait sentir son chien. Lucky, elle s'est vraiment bien, mais tu vois qu'il avait peur, Lucky, du petit chien. En tout cas, fait que ça fait du bien pour ça. Fait que c'est ça. Fait que je vous dis bonne nuit. On se revoit demain. Prenez une journée. Je vous aime fort. Bye!